Hello les gens, c'est Ricardo. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur ma chaîne. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la météo. On commence nos prévisions. Donc, voici les prévisions. Voici les prévisions pour demain matin. Il grêle, il fait pas beau, il pleut énormément jusqu'au sud-ouest. Il fait beau et c'est grisaille et puis là, c'est voilé. Avec du vent qui soufflera dans les côtes. Ah non, ici aussi, hein. Et dans les terres. Il neige dans tous les massifs. L'après-midi, il fait pas beau, il fait pas beau, il fait pas beau. Il fait énormément pas beau. Il fait pas beau. Il fait très beau, il fait très beau. Il fait pas beau dans l'ouest, il fait voilé dans l'est, comme le matin. Avec le vent qui souffle dans les côtes, surtout en Méditerranée. Et il neige encore dans tous les massifs. Les températures pour demain matin, 6 degrés à la capitale, 8 degrés à Strasbourg, 10 degrés à Lyon, 14 degrés de maximum pour Marseille. Alors je me fous pas trop pour les températures dans le centre, 8 degrés à Paris, 8 degrés à Calais, 7 à Lille, 7 à Strasbourg, 9 à Lyon, 14 degrés à Marseille comme la matinée, 18 degrés à Nice, 19 de maximum pour Bastia, j'ai pas quand même oublié la Corse. Voilà, c'était nos prévisions. Alors, il fait toujours pas beau, mais cette semaine, il y a eu un truc exceptionnel. Non, pas si exceptionnel, mais il y a eu quand même un truc que j'attendais. C'est... quelle douceur! Putain, la douceur qu'il y a eu. J'ai pas mis de photos sur ça, parce que j'avais trop la flemme, en fait, d'aller rechercher pour... Du coup, j'ai pas vraiment préparé cet épisode. Et j'ai juste pris une photo, mais c'est juste pour après, parce qu'on va reparler d'astrologie. Alors, comme vous devez vous en douter, cette semaine, il a fait très chaud. Très doux plutôt. Lundi, c'était pas ouf. Mardi, ça devenait ouf. Mercredi, c'était ouf. Il faisait déjà très doux. Jeudi, il faisait beaucoup trop doux. Non, il faisait même presque 24 degrés dans le sud-ouest, ce qui ne rattrape pas 2015, loin de là quand même. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que 2017 n'est pas si bref que ça. Ok. Donc c'était juste pour vous dire qu'il a fait très doux cette semaine, mais très doux. Hier, les températures ont commencé à baisser, parce que je fais cette vidéo samedi matin. Donc, la vidéo est... quand j'ai sorti ma vidéo sur Genchitat, il pleuvait déjà chez nous. Enfin, il pleuvait déjà sur la majeure partie de la France. Et la douceur était en train de partir. C'est-à-dire le froid commençait à envahir. C'est exactement ce qui va se passer aujourd'hui avec des températures merdiques et un temps merdique. C'est-à-dire aussi que, bien... les températures seront moins élevées que la matinée. Prenez ça dans votre face, les Lyonnais ou les Marseillais qui se prendront à 14 degrés toute la journée. Alors, vous avez vu dans les prévisions, dans le nord, il faisait entre 14 et 19 et 20 degrés. Non, 19 degrés. Et dans le sud, il faisait entre 18, 24, voire 25. Donc, ce qui n'était pas normal, voilà. Pour cette époque de l'année. J'aimerais bien vous reparler d'un truc qu'on a parlé la semaine dernière, c'est astéroïdes. Je vous raconte pas des sottises. Ils ont trouvé une astéroïde dans l'espace, mais elle se dirige pas sur Terre. Ils ont pas dit ça en tout cas. Mais elle est exceptionnelle par sa taille. Oui, c'est une astéroïde plate. Voilà. C'est juste pour vous montrer ça. Alors regardez, il y a le soleil là-bas. Hein, comme vous voyez la lumière. J'espère que ça vous apprécie. Si tu veux la liker, commenter, t'abonner et active la cloche des notifications. Si tu t'abonnes. Ciao.